Salut, donc bah, écoutez, on va essayer la caméra webcam astronomique que j'ai fabriquée dans l'épisode précédent. Je vais vous faire voir un peu la configuration matérielle, comment il est monté sur le télescope, etc. Par contre, comme bah, de gros nuages viennent d'arriver au-dessus du site, puisque je voulais observer la Lune, et bah, je pense que ça ne va pas pouvoir être possible. On va aller voir ça. Alors, la configuration. Alors, vous avez ici l'ordinateur. Alors ici, on a l'ordinateur qui est connecté avec là, le câble. On voit pas grand-chose, hein. Voilà, le câble. Et puis donc ici, donc la caméra. J'ai essayé de vous. Là. Pas grand-chose. Voilà, qui est monté donc sur. Donc le télescope qu'on ne voit pas parce qu'il fait trop noir. Bon, j'ai plus qu'à attendre un petit coin d'ouverture là-haut là dans le ciel là. Normalement il doit y avoir la Lune juste à peu près à cet endroit-là, mais comme vous pouvez le constater, il y a de gros nuages. Du coup c'est un peu compliqué, c'est très compliqué, mais il va falloir attendre. Allez, patience. La patience est une vertu de l'astronome. On la voit un petit peu là, mais bon, c'est toujours très voilé. Ça va se recouvrir. On va essayer d'attendre le prochain gros trou. Bon ben voilà ce qu'on obtient. Donc, au niveau de la webcam. Donc bon ben le système est quand même assez bon hein, pour un premier essai, surtout qu'aujourd'hui le ciel est très 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 voilé. Ouais, je dirais même hyper voilé. Écoutez, voilà le premier essai de l'AstroCam. Donc, bon, bilan plus ou moins mitigé, un ciel qui n'était pas terrible. Mine de rien, il y a quand même une petite amélioration à faire en ce qui concerne la stabilité de la caméra sur l'oculaire. La caméra bascule sur son axe et donc n'est pas toujours le capteur CMOS n'est pas toujours face à l'oculaire. Donc, j'ai une perte de netteté. J'ai une perte de netteté, comme vous avez pu le constater, la lunette, elle tremble quand même pas mal. Donc il faut améliorer la qualité du trépied pour éviter, donc, enfin, minimiser tous ces tremblements. Voilà, ce sera le prochain bricolage de la chaîne 70-900. Allez, ciao, bye les astros!